combattrait les États-Unis et le Congo au sujet de la paix et la guerre. Aux États-Unis, les Américains sont très libres, mais le gouvernement congolais est strict. Ainsi, parfois, le gouvernement congolais a fait la guerre à ses propres citoyens. Le gouvernement américain préfère combattre les problèmes comme la drogue et la pauvreté, pas les gens. Les armées du pays se battent souvent. Au Congo, l'armée doit se battre dans le Congo, mais l'armée américaine se bat toujours à l'étranger. Au Congo, il y a des groupes qui attaquent les villages et les innocents. Ces groupes perturbent la paix dans le pays et peuvent détruire les communautés. Le résultat est que notamment quand ils violent les femmes, et le résultat est que les femmes sont abandonnées par le mari de peur qu'elles ont attrapé le sida. Au Congo, comme les États-Unis, il existe des groupes qui travaillent pour des causes humanitaires, et dans les deux pays, les citoyens aspirent à la paix et la liberté.